tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le petit tuto du Paris-Brest. C'est un tutoriel qui m'a été énormément demandé, donc je le fais enfin. Et ce sera pour réaliser cette création, donc un petit Paris-Brest. Voilà. Donc on va tout, je vais tout vous montrer, enfin je vais vous montrer pour faire chaque détail. Hein. Voilà, voilà. Là. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le matériel dont vous aurez besoin. Donc vous aurez besoin de fimo liquide. Vous aurez besoin d'un pinceau pour appliquer les pastels secs pour faire l'effet cuit. Donc moi je vais utiliser du marron comme ça pour faire l'effet cuit. Et un peu de ocre comme ça. Voilà. Donc après si vous n'utilisez pas des pastels, hein, vous prenez quelque chose pour l'appliquer. Si vous utilisez du maquillage, je sais pas. Vous aurez besoin d'un objet tranchant, donc scalpel, cutter, couteau. Vous aurez besoin d'une petite boule de papier d'aluminium. Vous aurez besoin d'un objet pour faire un trou. Donc moi, pour faire le Paris-Brest, j'utilise une baguette chinoise en bois, comme ça, vous voyez. Et je trouve que le diamètre est bien adapté pour réaliser un trou. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent. Vous aurez également besoin d'un morceau de fimo blanche, cuite. Donc en fait, un petit bout de fimo blanche déjà dure, avec un récipient et une petite râpe. Voilà. Je vous expliquerai c'est pour quoi faire. Et ensuite en bas de fimo vous aurez besoin de deux boules de couleur ocre numéro 17 de à part égale, d'un long boudin de couleur Sahara numéro 70. Voilà, vous voyez il est long comme ça ouais, mon boudin, et vous voyez à peu près le diamètre. Et vous aurez besoin de deux petits morceaux de couleur caramel numéro 0, numéro 7, vous voyez comme ça, plat. Et un autre de couleur Sahara numéro 70. Et vous voyez, faut que ces boudins soient un petit peu aplatis au bout. Voilà. Pour donner à peu près une forme ovale en fait. Voilà, alors on va commencer. Donc on prend les deux boules de pâte fimo couleur ocre. Et je vais vous approcher un peu pour que vous voyez mieux. Donc on va commencer à en travailler une. Vous prenez cette boule et vous l'aplatissez un petit peu. Comme ça. Hop là. Vous lissez pour les traces de doigts. Hop là. Et vous allez prendre votre objet pour faire le trou. Vous mettez bien au milieu et appuyez. Vous écartez un petit peu comme ça votre trou sans trop. Parce que après sinon ce sera pas joli. Voilà. Et vous aplatissez à nouveau les bords vers le bas pour que ça fasse un peu comme un dôme. Vous voyez, je vous mets. Vous voyez, hop là. Sur les côtés, c'est aplati et au milieu, ça fait un peu un dôme. Voilà. Donc on fait ça, je remets un petit coup. Donc, une fois votre dôme obtenu, qu'il soit bien lisse, bien régulier, vous le mettez de côté et vous prenez votre autre morceau. Donc ce dôme-là, c'est pour aller dessus. Ce sera la coque du dessus du Paris-Brest. Et maintenant, on va faire la coque du dessous. Donc vous procédez à peu près pareil. Vous aplatissez. Vous laissez un peu en dôme. Et vous faites votre trou. Il faut qu'il soit à peu près de la même taille... de la même taille que l'autre, hein, pour que ce soit à peu près en face. Et là, par contre, vous n'allez pas faire un dôme, vous allez vraiment l'aplatir. Vous allez vraiment l'aplatir pour que ce soit tout au même niveau, parce que comme c'est la coque du dessous, il faut que ce soit quand même un peu plat. Voilà, hop là. Donc, je vous montre la différence entre les deux. On voit qu'il y en a une qui est nettement plus bombée que l'autre. Alors, on va prendre nos deux coques, l'une à côté de l'autre, et on va prendre notre petit bout de papier aluminium. Et on va venir faire des marques partout, partout, partout sur les deux coques. Une fois les marques bien faites avec le papier aluminium, vous prenez vos deux coques et vous vérifiez qu'elles se joignent à peu près, qu'elles sont à peu près de la même taille. Alors moi j'ai celle d'en dessous qui est un petit peu plus grande
que celle du dessus, donc je ramène les bords pour la rétrécir un peu. Voilà. Et quand vos deux coques sont prêtes, qu'elles ont bien été texturées avec la boule de papier aluminium, vous allez prendre vos couleurs pour faire l'effet cuit. Donc moi, je vais gratter un petit peu de marron pour commencer. Et je vais l'appliquer pour donner l'effet cuit. Une fois l'effet cuit donné, pour redonner un peu de réalisme, on remet un petit coup de papier, de boulettes de papier d'aluminium. Et voilà, mes deux coques sont prêtes. Donc je vais vous montrer le résultat de plus près. Hop là, elles sont prêtes toutes les deux. Donc je les mets de côté et on va passer au reste. N'oubliez pas de mettre un petit coup de sopalin parce que comme vous avez donné l'effet cuit, et bien après votre pâte qui est de couleur plus claire sera tachée. Voilà. Donc ensuite je vais prendre mon long boudin couleur Sahara, l'étirer un tout petit peu plus et je vais le mettre en deux. Hop là. Comme ceci. Voilà. Donc il est en deux. Et là, on va le tourner. Il faut que ce soit tourné à peu près à la même taille. Là. Et je prends ma coque de Paris-Brest qui va dessous. Je la retourne. Et j'installe à l'intérieur ma torsade pour représenter la crème en fait. Voilà. Là vous voyez c'est trop long et c'est là que j'utilise mon objet tranchant pour rectifier la longueur. Voilà. Et ça donne ça. Et par-dessus, vous pouvez venir mettre le chapeau supérieur de votre Paris-Brest. Donc voilà, le Paris-Brest est monté. Moi, je remets un petit coup de trou là, avec mon objet qui permet de faire le trou, donc pour que ce soit bien en face et qu'on voit bien le jour à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, il ne manque plus que la décoration. Alors la décoration c'est ce qu'il y a de plus important parce que ça va permettre de donner l'effet réaliste. Parce que là on est bien content, on a un Paris-Brest, enfin on a quelque chose qui ressemble un peu à un Paris-Brest mais on n'est pas sûr parce que il n'y a pas les petites indications supplémentaires mais, comme le sucre et les petites amandes. Alors pour ceci, je vais d'abord disposer un peu de fimo liquide, hop là, sur le tour de mon Paris-Brest. Mais c'est vraiment un tout petit peu, hein, vous voyez, hop là. Moi, je vais même l'appliquer au doigt. Vous voyez alors, je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Vous voyez à peu près la quantité de fimo liquide que j'ai mis, c'est pour ainsi dire rien. Et je l'applique un peu au doigt. Alors, faut pas trop en mettre, parce que sinon, après aussi, ça va faire partir l'effet cuit. Donc voilà, là, je l'ai un peu étalé avec mon doigt. Et vous allez prendre, vous mettez votre Paris-Brest de côté, et vous allez prendre votre petit récipient avec votre morceau de fimo blanche dure et votre râpe. Et vous allez vous mettre comme ça. Et en fait, on va râper de la poudre de fimo blanche pour faire l'effet sucre. Alors, c'est pas facile. Pour que vous voyez, je vais essayer de me mettre de côté. J'ai pas... Voilà. Et quand vous avez fini, ça vous donne ça. Cette espèce de poudre un peu... cette poudre de fimo que moi j'utilise pour faire le faux sucre sur le Paris-Brest. Donc, vous prenez votre poudre et votre Paris-Brest. Et on va mettre la poudre sur le Paris-Brest tout simplement en mettant notre doigt dedans. Et après, en se poudrant. Voilà. On met le doigt dans la poudre
et on se poudre sur la fimo liquide qui va permettre de faire adhérer cette petite poudre et de donner un peu l'effet sucre. Voilà. Ce que ça donne. Et vous vous en gardez un petit peu pour après. Voilà, je passe un petit coup parce qu'il y a de la poudre de partout. Là. Et maintenant, vous allez pour finir la décoration, vous allez prendre vos deux morceaux de fimo couleur caramel et couleur Sahara. Et en fait, comme vous l'avez un peu aplati, c'est ce qu'on va utiliser pour vous donner le style un peu amande. Donc, on va couper des tranches, mais vraiment, quand je vous dis fine, 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 c'est vraiment fine, fine, fine. Vous voyez, hop là, j'ai coupé une petite tranche. Et il faut vraiment que ce soit fin. Mise au point. Allez, voilà. Vous voyez que là, c'est quand même vraiment très, très fin. Et vous allez venir disposer cette petite tranche sur votre Paris-Brest. Hop là. Et vous alternez entre couleur Sahara et couleur caramel. Voilà. Donc le résultat donne ça. Quand vous pensez avoir disposé assez d'amandes, vous arrêtez. Et là, on va revenir mettre un petit peu par-dessus de notre faux sucre qu'on a râpé. Donc si vous trouvez que ça adhère pas bien, vous remettez un peu de fimo liquide. Voilà. Donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas. Après, vous pouvez, suivant la taille que vous avez faite de votre Paris-Brest, vous pouvez le monter soit en bague, soit en collier. Moi, j'ai pas pris de clou à œil, mais je pense que ce sera un collier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le résultat de notre petit Paris-Brest. Et aussi, si vous essayez, ça me ferait bien plaisir que vous me dites si vous avez réussi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut !